Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un poisson bien de chez nous, la barbue, qui va être gratinée aux noix sur une purée aux champignons. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Un beau filet de barbu bien de chez nous, des champignons de Paris, des noix, de la chapelure et du beurre fondu. On va commencer par couper les champignons. Alors, ce qu'on veut, bien sûr, en mettant des champignons dans la purée, c'est pas rajouter une purée de champignons, mais c'est au contraire donner un petit peu de texture à la purée. Je vais préparer déjà aussi la petite chapelure pour gratiner ensuite le filet. Donc pour ça, je mets quelques noix dans mon mixeur. Voilà. Donc c'est un petit peu plus gros que la texture de la chapelure. Et je mets l'équivalent de la moitié de quantité de noix en chapelure. Voilà. Je remixe un petit peu pour rendre le mélange homogène. Je chauffe la poêle. Je mets tout de suite, bien sûr, mon morceau de beurre. Je mets mes champignons dedans. Je remonte encore un petit peu le feu. Vous voyez, on a une légère coloration blonde comme ça sur les extrémités. C'est suffisant. Je les mets dans ma purée. Je rajoute tout de suite un morceau de beurre dans la poêle. Le beurre crépite, mais à peine. Et là, je viens tout de suite déposer mon filet de poisson. Je roule bien le poisson dans le beurre, comme ceci, et je le laisse se raffermir tout doucement. Je vais mélanger ici mes champignons à ma purée. Et je vais venir dresser un petit lit de purée avec les champignons. Ici, dans mon plat à gratin, j'ai mon poisson ici. Il a légèrement blondi, pas plus, c'est pas nécessaire. Il manque encore un petit peu de cuisson au niveau de l'épaisseur du filet, mais c'est pas fini. Je viens dans mon beurre, mettre deux belles pincées et je continue de remuer. Donc vous devez vraiment avoir ça, regardez. Vous voyez, le beurre commence à mousser. Je refais tomber. Regardez ce qui se passe. Hein ? Ça devient mousseux. Regardez ça. Voilà, et à ce moment-là, hop, je viens sur mon poisson et regardez. Hop, hop, hop. D'un mouvement sec de la poêle, j'ai glacé mon poisson. Je prends maintenant mon filet de poisson. Je dispose ça tout simplement, regardez. Hop. Et je gratine au four pendant environ 3 minutes. Ça, c'est les poissons gratinés comme je les aime. Et maintenant, on va venir avec un petit peu de fleur de sel. Et regardez, ça va venir faire éclater presque les petites bulles. Et ça va se caler comme ça entre. Voilà, on va venir terminer en plantant quelques belles feuilles de verdure, hein, qu'on va mélanger avec la purée au moment de déguster. Et je peux vous garantir, vous allez remplir votre cahier de recettes avec une nouvelle technique et vos amis vont en profiter. Bon appétit !